Bonjour à tous et à toutes, je suis Ulysse et bienvenue pour une autre session sur Neverwinter Nights, Halls of the Undertalk. Aujourd'hui, enfin dans cette session plutôt, nous allons faire une autre quête. Il nous en reste deux avant d'aller voir la Valcharesse. Alors il reste Tyranneuil donc. Voilà. Donc on peut soit les détruire, soit les affaiblir, les Tyranneuil, ou alors l'armée des morts vivants qui sont dans un campement rebelle, etc., etc. Et donc, j'ai fait quelques petits aménagements dans mon inventaire, j'ai revendu tout ce qui ne me sert plus. Et, on va faire ça tranquillement, on va se faire une petite mission, on va faire une quête de A à Z. Tout va bien aller. Et bien sûr, je rappelle que j'ai une soluce à côté de moi si jamais l'ennui est trop forte. Et bien sûr, si la difficulté est de type difficile, je n'aurai aucun scrupule à utiliser les game modes. Alors évidemment, on va devoir tout retaper toute cette partie-là. À savoir les deux murs protecteurs avant d'entrer dans la ville. En tout cas, je sais pas si je vous ai dit, mais les musiques sont très très cool. Et pour ceux qui se demandent, j'ai changé mon équipement. Enfin, j'ai changé un bout d'équipement. Je me suis mis à un marteau de guerre plus 3. Parce que bon. Et j'ai rangé tout ce qui me servait à invoquer, utiliser, bref, à faire plein de jolies choses avec les créatures non, comment on pourrait dire, non humaines. Alors, les tunnels nord, les tunnels ouest, les tunnels sud, les Tyranneuil, parce que c'est ce qu'on va faire, les Tyranneuil à l'ouest, qui pourrait... Donc ça doit être les tunnels ouest, donc c'est tout droit, on y va tranquillement. Là, toute cette zone a été détruite, clairement. Même plus que clairement, d'ailleurs. Complètement détruite. Alors, par contre, les chemins sont un petit peu... J'avais oublié que les chemins étaient pas très très... voilà, les chemins sont pas très faciles à se souvenir. Ok, donc non, moi c'était là-bas que je voulais aller. Alors d'après ce que j'ai lu, hein, c'est à gauche, donc la gauche, putain, je suis en train de me perdre sur le plan, incroyable. J'ai un plan et je me perds, c'est fou ça. Alors ça m'indiquerait peut-être que j'ai... Oui, oula, alors, oui. J'ai de savoir, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je suis passé? Non, le pont il est. Le pont. Le... D'accord, non, donc je ne suis décidément pas allé là-bas. Eh ben. Bizarre. Écoutez, hein, je ne savais pas. Donc du coup, heureusement que j'ai une solution. Alors. Du coup. Alors, oui, l'énigme. L'énigme. Alors. Examine les boutons. Donc, tac. Donc, il faut que les trucs là qui sont censés être des lignes fassent des choses. Donc, alors, il faut que ça fasse ranger une. Ranger une. Donc, on va aller à droite. Voilà. À droite. Ensuite, la deuxième à droite. Ensuite, la 3, elle va à gauche. Ok. Et la quatrième à gauche. J'ai mis à droite, connard. Gauche. D'accord, à gauche. Encore un petit peu à gauche. Voilà. Et ici, j'appuie sur le bouton.
Waouh. 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 Bon, alors oui, l'énigme était bon. Pas compliqué. Oh, putain. Putain, ouais, par contre, on voit pas grand-chose. Donc, du coup, nouvelle zone. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, on va sauvegarder. On va sauvegarder deux fois même. Hein, parce que deux sauvegardes, eh ben, ça vaut mieux que pas de sauvegarde. Vous voyez le nom de mes, vous voyez le nom de mes sauvegardes, mais c'est pas grave. Alors, donc là, c'est les tirs à l'œil. Parfait. Ok, donc vraiment, c'est une zone que je n'ai jamais visitée. Là, je. J'ai là. Donc, alors, attention. Donc, déjà, allons-y. Alors, allons-y. Ok. Liquide. Liquide, merci. Merci, liquide. Ok. On va aller tout droit. On ne va pas aller tout droit parce qu'on ne peut pas aller tout droit. Alors on continue tranquille. Pour l'instant, je ne vois pas de danger. Alors, tu es quoi toi? Oui, bonjour. Alors, quand on nous laisse enregistrer une fin soir qui vous fait frissonner. Ah, si je ne m'abuse, c'est bien vous qui avez mis à mal nos plans. Exactement. Ça fait quelques heures que nous vous cherchons. Quelque temps que nous cherchons. Qui êtes-vous? Quand c'est que vous savez tant de choses, je vois que vous me faites. Qui êtes-vous? Je ne suis pas là pour voir igloos. Pas de charisme. Intimidation. Est-ce que je peux tenter. Intimidation. Dommage. Dans ce cas, combat avec. Oula, 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 oula. Oula, merde, où est-il? Guerrier. D'accord. Non mais. Bon. Ah, on s'amuse, on c'est dommage, on s'était amusé pendant 5 minutes. Alors attends, non, c'est pas ça. Oui, je le fais devant vous. Donc, nous sommes en debug mode. Donc, ah oui, j'ai mis la pause, c'est vrai. Donc, voilà. Je te vois te cacher. Enfin non, t'es pas très caché. On va quand même garder un combat. Oui, bonjour, là, mais qui êtes-vous? Voilà la persuasion. Voilà. Alors. Ah, ça ne marche pas? Ah si. 1, 2, 3. Je vois d'autres personnes au loin. Toi, toi. Je vais juste éliminer les personnes qui peuvent être gênantes. Deux. Voilà. Likin, voilà. Je pense qu'on est presque bon. Voilà. Ah oui, mais un max de dégâts quand même. Il m'en met quand même pas mal l'enculé. Donc du coup, meurt. Bon. Il m'en met pas mal, l'enflure. Il met pas mal de dégâts. C'est pas très gentil. Voilà, je tiens à dire que c'est pas très gentil. Donc cet ennemi va donc mourir. Ils vont tous mourir de toute façon. Hello. Oh oui, bonjour, bonjour, bonjour. Oh là là, le bluff, ça ne marche pas, c'est un échec. Donc du coup, on fait la même. Ah putain.
Voilà. Ça prend un peu de temps pour certains ennemis. À moins que ce soit ma touche qui te marche pas bien. Ouais, on peut voir que certains ennemis arrivent comme ça, ils pop. Mais littéralement, ils pop. Hein. Ouais. Par contre, c'est un peu compliqué quand quand il se passe rien. Ah oui, non, donc il faut bien appuyer sur la touche. Et normalement, voilà, il fallait juste que j'appuie bien sur ma touche. Alors, je me prends énormément de dégâts, donc si tu meurs. C'est-à-dire que je me prends énormément de dégâts, donc je ne vais pas faire en Sélikine. Alors, toi, tu as... Oui. Alors. Armure de dragon. Je ne peux pas la porter. Une cape. Une cape de résistance universelle. Oh, bien. Un truc... L'esprit plus 6. Et une arme exotique, ça, évidemment. Une double lame. Une double lame que je vais prendre, et puis le reste, tant pis. Ah oui, level up, excusez-moi, j'avais oublié ça. Oui, alors évidemment, ah, le point de compétence que je vais m'attribuer dans... En force, j'ai assez, constitution, dextérité, j'ai assez. En intelligence, pour venir à plus 0. Ou alors en sagesse. Je vais me mettre plus hors sagesse parce que intelligence, j'ai pile ce qu'il faut. Ouais. Là, bon. Crochetage. Discrétion. Non, quoique. 2 points en crochetage. Discrétion. Détection. Ça, par contre. Avec quelques points. Estimation. On en rajoute un. Intimidation, ça peut toujours être utile. Et perception auditive, ça pourrait être bien. Voilà. Ah, et un don. Oh, même 2 dons disponibles. Intéressant. Intéressant, intéressant. Alors. La volonté épique. Volonté de fer. Donc là, tout ce qui est épique, ça m'ajoute plus 4 au lieu de plus 2. Alors, voyons, qu'est-ce qui pourrait être intéressante? Résistance au poison, ça j'avoue que ça pourrait être très utile. Réputation épique. Ah, ça pourrait être pas mal. Réflexe épique, pas mal aussi. Robustesse épique. Ah, plus 1, tout ça. Ah, ça pourrait être pas mal. Améliorer ses compétences de combat et gagner un bonus supplémentaire de plus 1. Ça pourrait être intéressant. Port d'armes, non. Maniement du bouclier, non. Ah, et là, c'est tout ce qui est force, plus 1. Ça, c'est tout ce qui est bonus. Charisme, combat en aveugle. Attaque éclair, c'est quoi? Dextérité plus 1. Les adversaires ne peuvent effectuer une attaque opportunité contre un personnage quand il se déplace en combat. Ça pourrait être intéressant. Je pense. Ou alors ambidextrie. Ah, fonctionne. Automatique lors des combats à 2 armes, les rôdeurs ont don gratuitement. En combattant avec 2 armes selon régime punité. Ah, ça pourrait être intéressant. Je prends celle-là. Et je ne peux pas prendre tout. Roulé-boulé, c'est pour. Si le joueur reçoit un coup potentiellement mortel, il fait un jet de réflexe. Non, ça peut pas être très utile. Séance de l'attaque sournoise. L'attaque sournoise est de commenter le plus 1 des 6. Ah, bien ça. Maîtrise des compétences. Quand il utilise les compétences des 1. Le verrage faut automatiquement 20 sur les jets de compétences. Pas mal. Talent épique. Le plus 10 à ses jets pour la compétence choisie. Oh. On va prendre celle-ci aussi. Talent, discrétion, choisissez vos noms. Oui. Bah. Oh.
Choisissez votre don. Ah, d'accord. Crochetage, place pour sorcier, neutralisation de piège. Non. Bah, s'il faut que je choisisse comme ça. Donc, on va plutôt prendre attaque sournoise. C'est pas parfait. Du coup, j'ai plus 1, plus 8. Mes compétences et des dons en plus. Et ben, c'est parfait. Écoutez, hein, c'est parfait. Bon, ah oui, c'est vrai, ils ont laissé du loot. Et ben, on va tout loot, tout loot. Des carreaux, des carreaux. Et ben, des carreaux, c'est pas intéressant. Petite potion, c'est pas intéressant. Carreau. Ok, des carreaux. Carreaux. Des carreaux. Ah non, des potions. Oui, non, des petits trucs, des petits machins. Des choses et d'autres. Ouais, sauf que bon. Ah, on va peut-être avancer. Petite sauvegarde rapide. On y va, on avance. Les tirs à l'œil, ça se trouve, ça va peut-être être. Oh. Oh. Magnifique modèle. Très beau. Très beau. Ah, voilà. La caverne des tirs à l'œil. Sauf qu'il y a quelque chose là-bas. Moi, je veux voir là-bas. Il y a peut-être un truc. Ça se trouve, c'est un cul-de-sac. Ou pas. Eh ben, si, lol. Lol MDR, c'est un cul-de-sac. Et là, allons dans la caverne des tirs à l'œil. Et j'espère que, eh bien, tout cela va être intéressant. Eh oui, Jamie. Ou Fred. Oh, ok, oui, alors, messieurs, je pense que, messieurs, s'il vous plaît, respectez-moi. Bon, toi, tu me fais chier. Voilà, toi, tu dégages, il y en a au moins un qui dégage. D'accord. Ok. Ben, je, ok. Voilà, bah. Oui, j'utilise peut-être la touche. J'utilise peut-être le truc un petit peu trop à. Propagresse. J'ai trouvé une propagresse. Allez, dégage. Ouais. Ok, j'utilise peut-être un petit peu trop souvent cette. Mais pourquoi? Mais c'est dégueulasse, c'est pour. Mais c'est quoi ça? Oh là, oh là, ah, mais c'est quoi ce truc? Ah, mais. Ah, merde. C'est moi qui ai fait ça? C'est quoi ça? C'est dégueulasse. C'est pas autour de ces pompes à. Ça se propage ou ça se propage pas? Putain, je sais plus. Oh, au secours. Ah si, c'est les pompes à graisse qui font ça. C'est bizarre. Je sais pas, c'est dégueulasse. Voilà. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est dégueulasse et que. Ouais. Ouais. Willy Keane. Que pensez-vous des globes oculaires flottants? Eh ben, ça me semble tout à fait. Dégueulasse. Stab, pensez que vous avez un stab cobol. Je ne sais pas décliner. Il me semble que les tirs à l'œil ont des pouvoirs psychiques. Je vais plutôt passer par là finalement. Hein, je ne suis. Ouais, c'était bien. Attends, donc si je fais un pompe à graisse, hop, je l'active. Ouais, c'est ça. C'est cette merde que j'ai activée. C'est totalement cette saloperie que j'ai activée. J'ai activé la pompe à graisse un petit peu. Comment? Oh putain, oh, stylé les portes. Alors, qu'avons-nous? Oui. Oh! Wow! Mais qui ne pense que lui vouloir parler à nous? Non, tu crois? Vous pas être tiré un œil par arracher langue d'esclave? Waouh! Ah! Ouais. Je ne suis venu tuer personne, je suis émissaire des armées. Oui. Qui es-tu? Je suis venu pour te tuer personne, oui. Pour tuer les tirs à l'œil.
Alors, de ce despote tire-l'œil, c'est la reine. Ok, oui, j'enregistre tout ça, un émissaire, oui. Pas étonnant. Réponds. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? De quelle ruine? Voilà, là je suis en train d'enregistrer juste un max de trucs. Il va y avoir d'autres kobolds que travailler là. Ok, bah c'est bon, tu peux. Je laisse. Allez, salut! Oui. Allez, casse-toi. Voilà, allez, casse-toi. Tu es devenu jaune à un moment. Je pense que tu as un petit problème de peau. Putain, les portes sont très très belles cependant. J'avoue quand même que là, il y a quelque chose. Ok. Alors, en même temps, j'ai un plan juste à côté de moi pour essayer de me repérer. Ah. Merde. Mais, oui. J'abuse. Le jeu aussi, il est compliqué. Ouais, là, il y a un cul-de-sac, mais les cul-de-sac renferment toujours des choses. Et d'autres. Et c'est un mur. C'est un magnifique. Mais, saloperie. Pour être sûr de l'engeance du démon. Je le redis, mais ce chapitre 2, je le redis à chaque fois, ce chapitre 2 est mal ajusté en termes de difficulté. Oui. Est-ce que tu peux avancer? Attends. C'est moi ou. Ah, oula. Ah non, d'accord, c'est une cinématique. Bonjour. Excuse-moi. Excuse-moi, bidule. Ah, d'accord, oui. Vas-y. Il y a des bons droits, oui. Tu veux nous montrer comment être bon, Likin? Oui. Ouais, c'était ça, c'était le trigger. C'était le trigger d'Ikin. Et toi? Ah, allez, fuis, Cobal. Fuis, pour ta vie. Pour tout. Pour toute ta vie, même. Une porte. Mais si, je peux passer sur le côté. Pour essayer de les avoir en surprise. Ah! Mais! Voilà. Gros, 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 gros. À gros, gros. Oui, à gros, gros. Oui, bon, écoute, hein, agro-gro, agro-gro. Laisse-moi passer. Bon, comment on libère tes petits amis? Parfait. Ah, c'est-à-dire qu'à un moment, moi, si le jeu me fait caca déçu, je lui fais caca déçu. C'est tout. Attends. Je n'ai pas lu mon journal de quête. Alors, dans les cavernes de Tirnoeil, vous avez rencontré Atiz. Oui, Atiz confirme que Tirnoeil, envoyé dans ce tunnel, il a aussi récupéré une vieille tablette de pierre. On va être attaqué par d'énormes araignées. Ah! Et ben voilà. Quelque chose d'utile. Merci, Atiz. Nous allons ensuite aller par là. Oups, pas la bonne touche. Hey! Je sais pas où je vais. Non, c'est par là. J'essaie quand même d'avoir une belle carte bien remplie. Laissez-moi avec une belle carte. Ah bah, troisième. Ah non, papa, une pauvre graisse. Mais reviens! Voilà. Ah, un esclave kobold qui se noie dans la graisse.
Pièce noire. Oh! Regardez. Il est mort. Et c'est pas ma faute. Je prends, je prends, je prends. Et je ne sais pas ce que c'est. Du coup. Alors, un fouet. Un fouet. Plus 4. Intéressant. Une masse d'armes double. Oh! Oh, altération plus 4. Et j'avais cette magnifique Kama. Altération plus 4. Non. Pas le bon sac. Excusez-moi, j'essaye de retrouver mon sac. Voilà, mon sac. J'avais pas. Un deuxième sac. Oui. Ah oui, c'est le bordel là. Ah oui, mais c'est le bordel. Ouais. Du coup, si je fais. Ouais. Bon, à la limite, je le mets là et puis. Oui, ça rentre. Mais je peux. Je, non, je ne. Non. Ça ne va pas l'identifier, d'accord. D'accord. On avance, hein, écoutez. Tranquillement. Pour l'instant, cette session ne pose aucune résistance. LOL MDR. Je ne vois pas ce que vous sous-entendez. Ça, je pense que c'est une pièce au milieu. Donc, ça doit techniquement, hein, je dis bien techniquement, hein, être la fin, la sortie, la suite, ce que vous voulez. Vous allez y passer. Ouais. Excusez-moi, messieurs. J'appuie sur Y. Hop, hop. Meurs. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je vais désamorcer ce piège. Merci de respecter. Enfin, de me respecter pendant ce temps. Hein. Goûtez à ma colère. Voilà, merci de me respecter, s'il vous plaît. Monsieur. Allez, le premier vrai combat du jeu. Allez. Est-ce que vous sentez la tension là de. Oui, bonjour, madame. Madame, je ne sais pas ce qu'il vous. Je ne sais pas. Ah. Il a arrêté le temps là. Là, c'est lui qui arrête le temps. Attention à ce que tu vas faire. Lance terreur. Lance terreur, vas-y, lance terreur. Oui, le temps, oui. Oui, bon, on fait un peu chier, hein, je te. Oui. Oh bah. Bon, bah écoute. Oh bah. Hop. Ah non, il est pas mort. Voilà, je l'ai fini. Je l'ai fini moi-même, sans tricher. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un papier, bah ça alors. Aussi sage et puissant que vous puissiez être, tira l'œil Aruta, le manque de résultats concernant les affaires sur lesquelles nous étions mis d'accord me préoccupe grandement. Vous m'avez promis au moins une douzaine de tirs à l'œil pour m'aider à attaquer les drôles rebelles. Pour l'instant, je n'ai vu que deux tirs à l'œil. Je vous envoie quelques-uns de mes esclaves avec cette lettre pour qu'ils escortent les autres tirs à l'œil. Si je suis satisfaite de vous, vous n'aurez pas à demeurer pour l'éternité dans les ténèbres. Étonnez-moi et je vous offrirai leur point en or. Décevez-moi, et j'anéantirai jusqu'au souvenir de votre ruche pathétique. C'est à vous de décider. Très bien. Un anneau. Oh, un anneau de poule de fer. Ouh. Alors ça, c'est pas un anneau de pédé. C'est pas un anneau d'enculé, ça. Je l'ai mis où, l'anneau, du coup? Je l'ai mis là. Je vais me l'équiper, l'anneau. Hein. Je vais me l'équiper à la place de résistance. Absorbe 10 points de dégâts, je vous assure que c'est pas dégueulasse. Genre pas dégueu du tout. La lumière par contre, s'il vous plaît. La lumière, oui, la lumière.
Lumi... Non, lumi... Ah, oh, un coffre. Donc, c'était leur... Oh bah, de l'argent, parfait. Oh bah, des restes. Lol. Donc, des petites potions. D'ailleurs, on prend une potion. Glou, glou, glou. Hop. Oui, maintenant, je sais, c'est quelle les bonnes potions pour reprendre les points de vie. C'est celle-ci, c'est guérison suprême et pas restauration partielle. Comme j'avais fait l'erreur au début. Tais-toi, esclave. Bon, ne l'interrompons pas dans son travail. Par contre, il n'y a pas de lumière. Waouh, des combats de ouf. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je marche dans l'huile, je marche dans l'huile, je marche dans l'huile. Un coffre noir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre noir? D'une grande H plus 4. Avec que des bonus d'altération. Oui, c'est que des plus 4 d'altération, c'est pas mal. Mais les kobolds meurent dans la graisse. Ou alors ils glissent. Non, ils glissent. Ah! Il ne meurt pas, il glisse. C'est plus logique, parce que moi j'ai cru que je les tuais, en fait. Mais en fait non, c'est tu glisses et puis voilà. C'est lol, MDR. Pouce bleu. Excusez-moi, messieurs, les tyrannes, s'il vous plaît. J'aimerais... voilà. J'aimerais voilà. Mais il fait nuit, mais il y a un problème là, il fait nuit de ouf. Excusez-moi, toi tu meurs. Bonjour messieurs, dames, bonjour, 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 au revoir. Connaissez-vous notre seigneur et maître Triche? Des sorts pas utiles. Un esclave. Ouh, des... Ouh, il y a plein d'étagères. Est-ce que je peux trouver un livre intéressant? Non, un sort. Oui, d'accord. Des bouquins, des bouquins, des bouquins, des bouquins, des bouquins, que je ne vais pas lire cette fois, parce que... là, c'est la sortie pour le nord, donc on ouvre la porte. Alors par contre, le système de porte, il est tellement bien. Il est très beau, ça, il y a zéro problème. Ça, c'est... Ah, je pense qu'il y a de la... Il y a des moyens qui ont dû être faits pour les portes. Là, il y a une salle, donc on va aller là. Petite salle. Avec personne dedans. Ah, il y a un feu. Avec des morts.